Emmanuel Macron a trois beaux enfants, les enfants de son épouse Brigitte Macron. Et tous les trois se sont engagés à ses côtés en politique. Emmanuel Macron est devenu beau-papa, grâce à son mariage avec Brigitte Trogneux. En effet, cette dernière a eu trois enfants avec son ex-mari, André-Louis Ozières, à savoir, Laurence, Tiphaine et Sébastien. Née en 1977, Laurence Ozières est la première à avoir connu le chef de l'État puisqu'ils étaient dans la même classe de lycée. Incroyable, mais vrai. Elle est cardiologue spécialiste des maladies vasculaires, mariée et maman de trois enfants. Elle a soutenu publiquement son beau-père lors des élections présidentielles de 2017. Sébastien Ozières est l'aîné des trois enfants de la première dame, né en 1975, il est donc plus âgé qu'Emmanuel Macron. Président d'une société spécialisée dans les études de marché dans le domaine de la santé. C'est lui qui, pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, s'est chargé des réseaux sociaux d'En Marche. Il est marié et père de deux enfants. Tiphaine Ozières est la plus jeune des filles de Brigitte Macron, est née en 1984. Elle est avocate, mariée à un gastro-entérologue et maman de deux bambins. Elle a activement soutenu Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle de 2017 et figurait même sur une liste LREM. Quelle relation entretient Emmanuel Macron avec ses beaux-enfants? On l'a vu, malgré la situation atypique, Emmanuel Macron a de bonnes relations avec ses beaux-enfants. Je voulais remercier les enfants de Brigitte parce que s'il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et ça a eu, grâce à eux, la force d'une évidence, confiait-il sur France 3, en 2016. De son côté, Tiphaine, sa belle-fille, expliquait sur BFM TV, Emmanuel a pris sa place naturellement dans la famille, sans brusquer les choses. Quand je sortais trop tard, il m'engueulait gentiment en me disant, « Sois cool, ta maman s'inquiète. » Mes copines le trouvaient beau gosse, il y était insensible. Brigitte et lui sont soudés comme personne. Laurence Ozières, son mari Guillaume Jourdan et leurs enfants, Emma et Thomas. Née en 1977, Laurence Ozières est la première à avoir connu le chef de l'État puisqu'ils étaient dans la même classe de lycée. Sébastien Ozières, sa femme Christelle et leurs enfants, Camille et Paul. Il est marié et père de deux enfants. Sébastien Ozières est l'aîné des trois enfants de la première dame, née en 1975, il est donc plus âgé qu'Emmanuel Macron. Tiphaine Ozières, et son compagnon, Antoine. Elle est avocate, mariée à un gastro-entérologue, et maman de deux bambins. Tiphaine Ozières est la plus jeune des filles de Brigitte Macron, elle est née en 1984.